Très animée à la veille de l'élection du président de la FIF, la ville de Yamoussoukro ressemblait à une ville morte, le samedi 23 avril 2022, au soir de la défaite de Didier Drogba à cette élection. De mémoire de journaliste, une élection à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, n'a suscité autant de ferveur populaire comme celle du samedi 23 avril 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La veille, la capitale politique ivoirienne, a connu une ambiance particulière avec l'installation d'un podium à la place Jean-Paul II qui a permis aux partisans de Didier Drogba de communier avec les artistes. Tous avaient rêvé d'une belle suite. Ils ont éliminé Drogba, ce n'est pas vrai, hélas. Ce rêve a été brisé. Ce sont des éléments des forces de l'ordre commis pour assurer la sécurité de la salle où se déroulait l'Assemblée Générale qui ont donné les premiers signes de la nuit morose, lors du dépouillement. Quand ils ont su que Didier Drogba était éliminé au premier tour, certains ont commencé à sortir de la salle avec des murmures de désapprobation. Ils ont éliminé Drogba. Ce n'est pas vrai, disaient-ils au passage. Dès lors, les journalistes et les caméramens postés à l'entrée de la salle ont su que les carottes étaient cuites pour l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. En effet, quelques instants plus tard, les résultats officiels sont tombés. Didier Drogba a recueilli 21 voix contre entre 59 et 50, respectivement pour Yacine Idriss Diallo et Sori Diabaté. Aucun chat n'était visible à la place Jean-Paul II après la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, nous avons fait un tour dans la ville et notamment à la place Jean-Paul II. Le podium installé la veille avait été démonté et la place s'est vidée de son monde. Aucun chat n'était d'ailleurs visible sur les lieux. Les maquis et bars qui avaient, à l'occasion, fait leur toilette et espéraient accueillir beaucoup de monde au cours de cette nuit électorale sont restés désespérément vides, pour la plupart. Les membres du MSDD discrets, les membres du mouvement de soutien à Didier Drogba, MSDD, et les supporters de la star venus des villages environnants se faisaient discrets. Lire aussi élection à la FIF, Didier Drogba tombe dès le premier tour, la toile s'enflamme sous l'effet de la déception, certains ont préféré quitter la ville pour retourner à Abidjan. En tout cas, la capitale politique du pays ressemblait à une ville morte, au terme de cette élection dont le grand vainqueur se nomme Yacine Idriss Diallo. Bien évidemment, une autre ambiance régnait dans son camp. La nuit a été longue pour certains et courte pour d'autres. Ainsi va la soirée des élections. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.